Elle est là, Christiane Taubira ? Oui, bien sûr. Christiane, je voudrais connaître tes honoraires. Tes honoraires de quoi ? Bah, d'avocate. Non, mais elle n'est pas avocate. Ah, je m'excuse, c'est la meilleure avocate de Paris. J'avais 3 affaires aux fesses, dont 2 d'État. Et là, grâce à elle, je suis victime d'un complot et on veut la tête du gouvernement. Oui, c'est pas faux. Ah oui ? Et il y a Jean-François Copé qui veut bosser avec toi aussi, Christiane. Bon, voilà, Antoine, comme vous le voyez, sans le vouloir, Christiane Taubira viendrait former la justice. Football maintenant avec les derniers rebondissements de l'affaire OMVA. Le juge Béfi continue son immersion dans le monde étrange du football. Regardez. Mais non, monsieur le juge. Tu parles de corruption. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, au milieu du foot? Les mots, c'est pas les mêmes dans le foot. Renseignez-vous, tu verras. Parlez-moi un peu du milieu du football. Petit, le football. Le football, c'est un jeu d'enfant. Avec l'enfant sans moi. Le football, c'est un oiseau. Noir et blanc, rond. Putain, le football, c'est une pie toute ronde. Et là, toi, tu es comme une squale, un requin. Tu fonds sur le ballon, la tête en avant, les dents dehors. Et c'est la rencontre de 2 mondes libres. Mais et concrètement? Je t'emmerde. Parlez-moi du milieu du foot. Bah, c'est pas compliqué, hein. C'est cacahuète, praline et pastèque dans le petit filet. Voilà. C'est tout? Ah bah ouais, hein. Si, c'est aussi grosse patate directe sous la barre. Merci. Ça va? J'ai bon? Je vais pas en prison? Nous, on n'a pas la grosse tête, on n'a pas de sous. C'est surtout familial. Les maillots, c'est ma femme qui les tricote. Le terrain, c'est à mon cousin. Les déplacements, c'est avec les bus de mon beau-frère. Je peux vous prendre le sac en plastique bleu, là? Non, c'est pour mettre autour de mes chaussures quand il pleut, sinon le cuir, il craque. Ah, convenons-en, mon petit Béfi, c'est un beau bordel. Je débute, désolé. Bah, le foot, c'est le foot. Ah bon? Bah oui. Pareil. Ça va pas? T'as l'air crevé, toi. Je t'avais dit, le foot, c'est un autre monde. Ton truc à toi, c'est plus les vols de meubles, les bastons de baloche. C'est ça, le dossier? Je vais m'en occuper. En 2 minutes, c'est arrivé. Hé, votre honneur, c'est sûr, hein, je vais pour en prison. Hein? Voilà, sans transition à faire au MVA, le juge Béfi continue ses investigations. Aucune piste n'est à négliger pour retrouver le fameux 3e homme du Fouquet's. Regardez. Ce que je faisais le 17 juin entre 14h30 et 17h. Il est gentil. Il est gentil. Allô, c'est Chirac. Passez-moi Charles. Dis donc Charles, je suis avec un de tes gars, toi, là, le juge machin, là. Béfi. Oui, Béfi. Tu peux pas lui dire 2 mots pour qu'il arrête de me demander des trucs? Ah bon? La justice encore indépendante? Pendant 2 ans? C'est moi qui l'ai demandé. Putain, je suis con, moi, des fois. Oui? Que je réponde la vérité? Ah non, ça, je peux pas. Si? Bon, d'accord. Salut, chat. Quand vous dites? 17 juin. Le? 17 juin. 17 juin, 17 juin. J'étais... débordé, voilà. Débordé. Mais débordé où? À l'Assemblée, voilà, à l'Assemblée. La vérité, monsieur Chirac, la vérité. Mais la vérité, la vérité, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ce jour-là? Mais je m'emmerdais, monsieur Béfi. Toute la journée, je me suis emmerdé. Des preuves? Vous voulez des preuves? C'est ça que vous voulez, hein? 17 juin, 17 juin. J'ai gagné à la tombola. J'ai fait de la pâte à gaufre. J'ai lu tout Nicolas Jardinier. Et j'ai descendu la Marne en kayak. Ça vous suffit pas, ça? Hein? Non? Putain, je l'ai dit. Mais pourquoi je l'ai dit? C'est bon, vous pouvez partir. Ah bon? Vous êtes sûr que ça va? Mais oui, vous êtes libre. Allez, allez, allez. Non, parce que si vous voulez, je peux rester un peu. J'ai un peu de temps là, non? Le 18 juin, non? Voilà, sans transition, pour faire un petit point sur le procès Papon, je reçois le grand avocat Arnaud Klarsfeld. Yeah.
Bonsoir. Alors Arnaud, t'es un avocat assez beau garçon. Le procès Papon marche super bien. Bon, ton père est vachement célèbre aussi. Certains disent que tu lui dois tout. Tu le prends comment? Non, je crois que je me suis fait un prénom. Honnêtement, c'est pas avoir le cigare que de dire ça, mais dans toutes les boîtes de nuit, à Paris, à New York, à Londres, quand tu dis Clarsfeld, les filles pensent Arnaud, pas Serge. Non, mais je voulais parler des tribunaux. Là, je sais pas. Tu sais, en fait, je sors vachement peu. Oui, mais le tribunal, c'est le plus important pour un avocat, non? Ouais, c'est vrai, quand tu débutes, faut te montrer. Tu te mets à côté de Barbie pour qu'on te prenne en photo, mais après, tu sais, quand tu cartonnes, tu manques de temps. Entre Paris Match, Gala, les photos, la télé, c'est hyper short. Mais bon, des fois, c'est vrai, je joue au tribunal, ça me détend. C'est cool. Bon, Arnaud, il y a tous tes fans qui te regardent, on veut pas te retenir trop longtemps, mais comme ça, pour nous, live, tu pourrais pas nous faire une petite plaidoirie a cappella? Ah, ça, c'est piège, ça. Waouh, t'es dur. Bon, Arnaud, pour tes fans. Bon, ok. Oh, le piège, bon. Bon, je le fais comme ça. Hein. J'ai pas mes rollers, ça. Oui, oui, c'est bon. Je peux avoir un peu de réverb, là? Monsieur Papon, ce sourire sur vos lèvres n'est qu'un rictus de mort qui insulte... voilà, un truc comme ça, quoi. Une autre. Elle est sympa, là. Bon, alors, la dernière, hein. Et Jean-Jean, une bouteille de JB et deux verres. Merci Arnaud, ah, votre tube en plus, non, c'est trop sympa ça. Allez, la suite. Voilà, je suis donc avec Gilbert Collard, avocat du général Ossarès. Oui, on m'a bien vu à la télé ce matin. Oui. J'étais bien, les cheveux, ça allait. Non, comme d'habitude. Mais nous sommes là pour parler de votre client. Oui, mon client, le général Jean-Jaurès. Ossarès. Peu importe le nom, c'est le symbole qui compte. Mon client ne s'est jamais dopé. Non, lui, c'est pour apologie de la torture qu'il est accusé. Ah, oui, mais il ne s'est jamais dopé pour torturer. Non. Ah, vous voyez que c'est un type bien. Et je ne vois pas en vertu de quelle folie obscurantiste et partisane on lui refuserait de participer au Tour de France 2002. Non, je vous assure, vous mélangez vos dossiers, là. Ça, c'est Virenque et c'est fait, ça. Vous avez déjà été ridicule avec cette affaire, c'est fait. Virenque, c'est celui qui était la fille cachée d'Yves Montand, c'est ça? À bicyclette, non, tout non, ça. Non, non, plus, non. Oh, ça reste, c'est le monsieur très vieux et très moche qui est borgne. Le Pen? Presque. Non, c'est un général qui a torturé en Algérie et qui a fait l'apologie de sa torture dans un livre. Vous l'avez défendu cet après-midi. Oui, le général Patakès est innocent. Et pire, je dirais que mon client est une victime. Victime d'un système, bien sûr, mais victime tout court aussi. Vous avez vu sa gueule? Hein? Borgne et goitreux. C'est lui la victime. Mais je ne crois pas, non? Mais qu'en savez-vous? Borgne, il est certes. Mais d'où vient cette borgnitude? De la torture, monsieur. Quoi? Oui, oh oui. Obligé de torturer à la Gégène, sans sécurité. Sans casque, sans lunettes de protection. Alors ce qui était prévisible s'est produit. Une étincelle a jailli d'une paire de testicules et lui a crevé l'œil. Vous êtes sûr? Prouvez-moi le contraire. Bien joué. De plus, le général Tousseau Fitness est sourd. Ah. Et sourd pourquoi? Parce que ses tympans furent cruellement transpercés par les hurlements incessants et volontaires des enfants qu'il tentait, et c'est bien compréhensible, de faire taire en les trempant dans une baignoire. Ah, le pauvre. Et son arthrose, qui parle de l'arthrose du général pour de fesses? Personne. Et pour cause, cette arthrose est due, et c'est prouvé dans une enveloppe que j'ai ici, à son activité en Algérie. Puisque c'est en étranglant à la chaîne des femmes enceintes qui se débattaient pour échapper au viol collectif qu'il l'a contracté. Ouais, bah, si vous ne gagnez pas avec ça... Vous croyez que je peux demander une pension pour le général Pierrette-Bresse? Bon, général, je sais pas, mais si vous pouviez faire condamner Pierrette-Bresse au passage, ce sera toujours ça de gagner. La suite. Procès Festina, les réquisitions ont été prononcées hier à l'encontre des responsables du dopage dans le cyclisme. J'ai été pris avec 10 kilos de PO et de peau belge contenant de la cocaïne, de la nandrolone et de l'héroïne. 14 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende. Oui, c'est vrai. J'ai pris de l'EPO, de la nandrolone, de la cocaïne et de l'héroïne. Relaxé. Oh, je me suis fait choper avec 25 grammes de shit. C'est la deuxième fois, pardon. Oui, vous faites du vélo? Non. 2 ans ferme. Justice, Xavier Tibéri doit se présenter de nouveau devant le juge. Une nouvelle épreuve, difficile à vivre. Jean, tu viens avec moi? Où ça? Ben, je vais au juge ce matin. Ah oui, t'as qui aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a Rognon.
Ah, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude Rognon, c'est ça, oui. Bon, c'est la première fois que je l'ai, j'espère qu'il n'est pas trop sévère. Oh non, je le connais bien, il est bien. T'as déjà eu Eric Alphen? Bon, bah c'est Eric en plus sympa. Bon, mais c'est sûr, tu viens pas. Oh, écoute, si j'ai le temps, je passe. Et oublie pas la carte de fidélité, hein. Encore deux tampons et on a droit à un procès gratuit. Affaire suivante, les emplois fictifs du RPR. Accusé, monsieur Juppé Alain. Ouh, escroc ! Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est bon, Alain, on est là, hein ? Monsieur Juppé Alain, vous êtes donc ici pour répondre d'une accusation de prise illégale d'intérêt. Pendez-le ! S'il vous plaît, merci. Courage, Alain. Prise illégale d'intérêt, donc, concernant, je crois, les emplois fictifs de la ville de Paris. C'est ça, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur le président. Quoi, le président? Rien à voir, le président n'était pas là, hein? Ah, pardon. Ah, rien à voir, quoi, c'est vrai, non? En tôle, lui aussi, en tôle! S'il vous plaît, je vais faire évacuer. Monsieur Juppé, donc, la peine encourue est de 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et d'une inéligibilité de 3 années. À perpète, au trou! S'il vous plaît, je demande à tous les gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire de quitter la salle. On a besoin de calme. Jacques, on y va, là. Fouyaya, non, c'est nous les affaires du RPR, Jacques. Ah, Tiburce. Moi, c'est Tiburce, hein. C'est mon nom de barbu. Et le RPR, ça n'existe plus. C'est l'UMP. Ah, d'accord. J'ai compris. Merci, Tiburce. Dis donc, et Chirac, où qu'il est? Parce que c'est lui qui devrait être à la place d'Alain. Vraiment des individus qui peuvent faire couler le pays, hein. Et je peux vous le dire en tout. Bonsoir. Aujourd'hui, dans Tribunal, le cas épineux de Juppé Alain, suspecté de prise illégale d'intérêt et que tout accable après 3 mois de procès. Ce soir, vous assisterez à la délibération des jurés ainsi qu'à la sentence. Petite précision qui rend l'épisode savoureux, Juppé Alain, bien qu'ayant avoué être le numéro 2 d'un système, et bien qu'ayant été formellement identifié par plusieurs témoins, doit sortir de ce tribunal complètement blanchi, vu que... C'est Chirac qui l'a dit. Dernière précision, Juppé Alain, c'est le chauve là, derrière moi. Pour l'affaire dite des emplois fictifs du RPR, l'accusé, monsieur Juppé Alain, levez-vous. Monsieur Juppé Alain, avant d'entendre le verdict des jurés ici présents, je donnerai une dernière fois la parole à l'accusation et à la défense. J'appelle donc à la barre l'accusation. Messieurs les jurés, mais quand on est coupable de ce que vous avez fait, ne doit-on pas mériter ce qu'on doit mériter ou pas, hein? Merci. Merci. J'appelle maintenant à la barre la défense. Messieurs les jurés, mon client est innocent parce que c'est même pas lui. Voilà. Merci. Messieurs les jurés, après délibération, nous attendons votre verdict. Voilà, les jurés délibèrent. Dans un instant, nous connaîtrons enfin le dénouement de ce suspense incroyable qui, je vous le rappelle, finit par un non-lieu pour monsieur Juppé Alain. Monsieur le juge, dans l'affaire dite des emplois fictifs du RPR, nous déclarons l'accusé Juppé Alain innocent. Et bien voilà, une fois encore, la justice triomphe. Tout est bien, qui finit bien. Vive la République et vive la France. C'est bien fait chier, hein? À demain pour un nouvel épisode de Tribunal. Coupé. Merci. Dites, vous assurez que ça va pas se voir? Bon, vous inquiétez pas, monsieur Juppé. Tout le monde s'en moque, puisque c'est nous qui décidons de ce qui doit intéresser les gens. Merci. Non, c'est moi. On passe l'info à 3h du matin, et aux 13h, on n'en parle pas. Classique. Voilà, je suis donc avec Guy Womack. Maître, vous êtes l'avocat du soldat Graner, accusé de torture dans la prison d'Abu Ghraib. Objection. À quoi? À rien, c'est pour maintenir la pression. Oui. Alors, on se souvient tous des photos qui avaient scandalisé le monde entier, des prisonniers empilés nus les uns sur les autres, d'autres tenus en laisse par des GIs, d'autres subissant des sévices corporels. Objection. Oui dire. Bah non, on a tous vu les photos. Ah ouais, c'est vrai. Poursuivez.
Mais votre défense est surprenante. Pour justifier les pyramides de prisonniers nus, vous dites qu'aux États-Unis, c'est une pratique courante chez les majorettes et que ça ne correspond en rien à une torture. Comme prouve le contraire. Vous avez également dit que tenir un prisonnier en laisse, je vous cite, ça n'est pas une torture, puisque dans les supermarchés américains, il y a beaucoup de parents qui tiennent leurs enfants en laisse. Exactement. Comme prouve le contraire. C'est n'importe quoi. Une pyramide de prisonniers exhibée les fesses à l'air, ce sont des humiliations, c'est scandaleux. Ben voyons. Mais dans ce cas-là, faut aussi interdire le football. Pardon ? Ben, excusez-moi. Après chaque but marqué, les footballeurs s'empilent et forment une pyramide. Ben... En allant plus loin, ne faudrait-il pas aussi interdire l'Égypte ? Comment ça, l'Égypte ? Mais c'est quand même eux qui ont inventé les pyramides, non ? Moi, j'avoue que j'ai du mal à vous suivre. C'est normal. C'est parce que je suis redoutable comme avocat. Votre client s'en sortira jamais. On verra bien. Et comment vous allez justifier que certains prisonniers aient eu les pieds brûlés ? Pièce conviction numéro 28. C'est quoi ? Une plage ? Parfaitement. Une plage des Bahamas. Vous êtes-vous déjà promené sur une plage en milieu d'après-midi, en plein été, les pieds nus ? Oui. Ça vous a brûlé les pieds ? Oui, mais ça n'a rien à voir. Répondez par oui ou par non. Oui. Et vous avez porté plainte pour torture ? Non. Pas d'autres questions, votre honneur. Ah, non, mais c'est moi qui pose les questions. Ah oui, c'est vrai. Mais avouez que je suis redoutable comme avocat. Ben non, elle est nulle, votre défense. Elle ne tient pas une seule seconde. Il y a des prisonniers qui se sont fait uriner dessus. Comment vous pouvez justifier ça ? J'appelle à la barre mon premier témoin. Qu'est-ce que vous faites, là ? Monsieur, est-ce que vous avez vu quelque chose ? Non, je viens juste d'arriver, moi. Merci, ce sera tout. Alors ? Je sais pas quoi dire, là. Normal, je suis redoutable comme avocat. Bah, pas autant que votre client, hein. La suite. Voilà, sans transition, procès People toujours. En France aussi, les rockstars ont parfois des problèmes avec la justice. C'est le cas de Florent Pagny, l'enfant de la Pampa de Neuilly, qui avait tenté de dissimuler des revenus et qui vient de voir sa peine confirmée en appel. Il a donc bien été condamné pour fraude fiscale. Monsieur Pagny, je vous condamne à 15 000 euros d'amende. Mais attends, man, je suis Florent Pagny. Oui, n'oubliez pas que mon client a chanté « Presque il roule, pas vraiment cool ». Ah, c'est lui, « Presque il roule » ? Bah, je rajoute 20 000 euros d'amende. Mais attends, man, mais me condamner, mais c'est dégueu, man. Mais oui, mon client est aussi le brillant interprète de « Savoir aimer », la chanson pour les sourds et muets. 50 000 euros de plus. Ma liberté de penser, c'est moi. 100 000. Et il a chanté de l'opéra sur son dernier album, « Bariton ». Bon, écoutez, taisez-vous, tirez-vous, sinon je vous colle perpète, moi. Oui, avec Michael Jackson, ils ont peut-être la même défense, mais ils ont surtout pas le même répertoire. Voilà, sans transition télévision, ce soir sur Canal+, un nouvel épisode de 24 heures, une enquête palpitante menée, comme le titre l'indique, en 24 heures chrono. Monsieur Burgo, Karine Duchossois, une... Ouais, faites entrer, vite. Bonjour, je voudrais dire que non, je... Non, pas le temps, coupable. Allez hop, en taule la pédophile. Suivant. C'est l'accusé, Pierre Martel, maintenant, il dit sûrement, que... Sûrement, oui. Mais je suis innocent. Bah voyons, comme tout le monde. Allez, en taule. Suivant. Accusé Odile Maricot, monsieur... Mais pas la peine, amène-la direct en taule. 24 heures chrono. Des fois, c'est pas suffisant pour mener une enquête. Oui, c'est souvent comme ça. Les gros malheurs font de belles images de télévision. Procès Elf maintenant. Malversation, détournement de fonds, paradis fiscaux, corruption, mensonges, trafic d'influence, emploi fictif. Quoi ? Qu'il y a encore ? Non, rien. Mais rien à voir avec Elf, moi. Je vais chez SO. Tous les 100 litres, on a une assiette Bart Simpson. Christine de Viejoncourt, Alfred Sirvent, Loïc Lefloc-Prigent, tous ont été condamnés à de la prison ferme. Bah quoi ? Bah, qu'à aller chez SO, c'est tout. Bon, quelqu'un me dit ce que je fais là, ou bien ? On revient maintenant sur la condamnation surprenante de Jacques Chirac à 2 ans de prison avec sursis. Pourtant, l'ancien président de la République avait tout tenté pour échapper à son procès, souvenez-vous. Ah, Jean-Louis, qu'est-ce que tu foutais ? Désolé, Jacques, je ne trouvais pas de fauteuil. J'ai été obligé d'en voler un au Conseil constitutionnel. Ah, parfait, on y va. Jacques, vous êtes sûr que ça va marcher ? T'inquiète, Jean-Louis, j'ai vu ça dans un film sur la mafia, c'est imparable. Dans 2 heures, je suis acquitté. Vous êtes un génie, Jacques. On y va. Stop ! Jean-Louis,
Quoi ? Couverture. Ah oui, mince. Le détail, Jean-Louis. Tout est dans le détail. Observe bien l'artiste. Monsieur Chirac, êtes-vous apte à répondre à nos questions ? Monsieur Chirac, vous m'entendez ? Je ne sais pas ce qu'il a. Il est comme ça depuis ce matin. Depuis toujours. Il est comme ça depuis toujours. Depuis un mois, pas plus. Son état s'est dégradé, il ne se souvient plus de rien. C'est un légume. Monsieur l'expert médical, s'il vous plaît. Oh putain de la rosette de lion. Chirac, non. Ah, merde. Il est apte. Ouais. Jean-Louis, on passe au plan B. Faites entrer la défense de Monsieur Chirac. Alors, Jean-Louis, vous êtes un génie, Jacques. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.